Salut à tous les amis, on est de retour pour la suite de notre aventure sur Solar Ash. On s'est arrêté ici dans cette zone et on entame aujourd'hui l'avant-dernière vidéo de l'aventure. Donc la prochaine fois, ça sera la fin de l'aventure tout simplement. Et on entame, je crois qu'il y a deux fins différentes de Solar Ash. Donc on va faire les deux fins, évidemment. Donc comme d'habitude, je ne parlerai pas durant cette vidéo, à part quand il y aura des boss. Donc je vous laisse poursuivre tranquillement cette partie, let's go. Bon visionnage à tous. Almost done, Sid.
Squad, if you'll report. Our ship has become wedged into Ida's Tower of Pleasure. By some incredible stroke of good fortune, we seem to have landed in a massive pile of pillows, which cushioned our fall. I think if we all work together, we can use our strength to lift the ship over our heads long enough to unwedge it and fly out of that ship! Looks like an away team. I should let Ames know. Rate to Ames, rate to Ames. I found Nathia's squad. What is their status? It seems like they were crushed by their own ship. Half of the crew gone on this broken world. So sorry. Grieving their sacrifices is selfish and detracts from what they died for. The right thing to do is believe in them. In life or in death. Rest easy, Nathia squad. When I tell them about this place. Thank you.
Red, interference detected. Loading emergency services. Finished installation. How can we help you? Certainly. Allez, c'est parti, tireuse de rouille. On attaque le premier palier, parce qu'il y a trois parties hein, dans chaque boss qu'on a affronté depuis le début de l'aventure, donc il n'y a pas de raison que ça change. On attaque la première vie de ce boss avec son grand épée. Sa grande épée, pardon. Donc là, ça a l'air correct. Allez, 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 allez. Boum, le premier coup. Non, c'est pas le premier coup, encore. On descend. Boum. Ok. Ah, j'ai loupé un bout. Voilà. Allez. Bim. Boum. Allez, c'est pas fini. Voilà le premier coup. Boum. Voilà. Très bien. Ok. On ramasse un petit peu de vie quand même. On va essayer de retourner là-haut. Et on va chercher à trouver la deuxième partie qui doit être de l'autre côté, je crois. Elle est là, la deuxième partie. Bonjour, là, vous. Allez, dégage. Allez. Ah ! Je l'ai loupé. Attends, on va attendre qu'il attaque ici, voilà. Voilà, par ici. 1, 2, et 3. Nickel. Ok. Très bien. Ok, là c'est bon. On enchaîne. Pour l'instant, on entame bien. Ok. Des limites. Allez. Et voilà le deuxième coup. Boum. Ça, c'est fait. Allez. Il reste un tout dernier coup et ce sera bon. Je vais prendre la petite ville qui est là-bas à côté de... le truc. Voilà, comme ça, ça met une vie supplémentaire. Attends, vite. Voilà, parfait, nickel. Ok. Tac. Là, ça a l'air facile. Ok. Très bien. Oula. Boum. On va voir bien les yeux, bien clair, hein, parce que là, ça court dans tous les sens. Hein. Voilà. Allez. Boum. Voilà. Voilà. On repart de l'autre côté. Très bien. Ok. Encore quelques petits coups et on sera bon. Et voilà le deuxième coup. Enfin, le dernier coup, pardon. Bon, ben voilà. On en a fini avec ce boss. Et je vous laisse poursuivre la fin de l'aventure tranquillement. I'm not your enemy, Echo. I don't want to hurt you. Oh,
would activate the Starseed. You- How can you know what will happen? You are not the first to try, nor the first to torment me. What other choice is there? The Starseed is the only shot my world has. If only that were true. I know how you fail, people. You can't save anyone, not even yourself. Ray, the Starseed is nearly operational. More of our memories are also coming online. We are trying to... Someone set the Starseed's energy capacitors into an overloaded state. Readings indicate void signatures far greater than targeted operating limits. What does that mean? Can we fix it? It doesn't look good, Ray. Activating the Starseed now would be highly dangerous. We can no longer predictably collapse the Ultra Void in order to release our planet from its pull. Our only option is to shut the Starseed down and- No. We came this far. Sid, why would someone do this? Perhaps our memory logs are damaged, but it appears they were attempting to use the Starseed to modify the fabric of space-time itself. Alter space-time? Is that possible? Could we reverse time if we activate the Starseed now? Theoretically, yes. But the calculations require- Sid, this may be our only chance to put things back to the way they were. Before the Ultra Void, before all of this, We know you have the best intentions, but you would risk creating an irreparable schism in our reality. We fear there would be terrible repercussions if performed incorrectly. That's why you're doing the calculations, Sid. Ray, we insist. I want it done. That's an order. Very well. Beginning Starseed Attunement Protocol. Processing Photon Amplitude Assessment. Assessment complete. Processing Temporal Condition Assessment. Processing Temporal Conditions. Sid! No! Don't tell me- Critical systems offline. Terminal calculation. Please try again later. No, no, Sid! We're so close! Critical systems offline. Terminal calculation. I have to keep moving forward, Sid. I'm sorry.
There's a black spot. Grub, I can't take that gun down. Get moving. This must be where the rest of Arik's elders live. Another planet grows larger. First it was a speck, but now I can make out where land and water meet. I cannot bear to see the death of another world. It may be the natural law here, but watching life and death on such a scale is the duty of gods, not a simple Varuki. Garner told me to meet him at the Crystal Palace if I ever wanted to take the Panacea. It's a treacherous journey, but I will swallow the fear. With each step, I know I'm on the right path. To the Round Anticlaws. Allez. On attaque la dernière zone, hein, je pense, de cette aventure.
Je crois qu'elle va se dérouler en deux parties, hein, parce que là, on finira pas aujourd'hui. Là, je pense qu'on va commencer mes deux premières zones, enfin les deux premières parties de la zone, et on continuera la prochaine fois, hein, je pense. Hein. Parce que ça va être long, hein, d'attaquer les trois ou quatre zones différentes. Après, plus le boss de la zone, plus le final, quoi. Sachant qu'il y a deux fins différentes. Je crois que ça correspond à une bonne et une mauvaise. Donc, c'est parti pour cette dernière zone de l'aventure. Ça a l'air un peu bizarre, cette zone. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, on verra. Allez, bon résumage à tous pour cette zone, cette nouvelle zone. Standing in my way. Be the Crystal Palace Arc mentioned, but it's sealed shut. Better come back later.
find a way to get Sid back. But first I need to restore signal to the conduit in the sector. Thank you.
one conduit closer to activating the Starseed. Calculation. No! I'll find a way to get you back online. Hang in there, Sid. Network interference detected. Loading emergency services. Are you still in there? Please, you can stop. Very well. Terminal calculation loop. Very well. Starseed attunement protocol. Very well. Terminal calculation loop. Very well. Processing temporal condition assessment. Very well. How can we help you? I'll get you back online, Sid. Somewhere. Use the Spore song. I can't remember the words. Better check my log. Elders of Spore and Mildew, help us see that without spores, the mildew would not be. An Umbra Elder. Time to use the Spore song. Elders who dream? Elder. Time to use the Spore song. Bad enough seeing these in Arg's hovel. Ooh, hanging them from the ceiling doesn't help. Elders of Spore and Mildew, help us see. Crystal Palace Arc mentioned, but it's sealed shut. Better come back later.
start. Less ooze, one step closer to restoring Sid. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter à là pour cette partie de Solar H. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne évidemment. Et on se retrouvera pour la dernière partie de l'aventure. La prochaine fois. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.